Je suis rentré chez Total le 15 septembre 80, donc ce qui fait un peu plus de 33 ans. Je pense que j'ai passé pas loin de 27 ans à l'étranger. I'm responsible for everybody on the rig. I've decided to choose this career for the excitation. Drilling is my life, my passion. Drilling is a challenge job. It's a challenge job. I never feel alone. Pour être un bon foreur, je pense qu'il faut être habitué à travailler 12, 14, 18 heures par jour, se réveiller en pleine nuit et surtout pouvoir travailler pendant 28 jours hors de la famille et 28 jours en permanence. C'est assez dur quand même. In order to be a good driller, the main qualities is boldness, belief and don't give up. Notre mission hein, en tant que foreur, hein, c'est de livrer des puits, bien évidemment, pour tous les programmes d'exploration et les programmes de développement, d'assurer que les puits sont maintenus dans un état de fonctionnement qui permet de produire selon les attentes. Nos clients, ce sont les groupes projets, nos clients, c'est GSR, nos clients, c'est l'exploitation. Et donc, on est organisé pour livrer les puits dans les délais, c'est-à-dire en respectant les plannings, dans les budgets, il faut respecter les coûts, et en sécurité, on doit toujours faire attention à la sécurité de nos opérations. Vraiment, à la base du puits, c'est notre petit bébé, quoi. On le crée, on le suit, on veut faire en sorte que ça marche. La perforación es uno de estos frentes que son muy, muy importantes. Si quieres, es la interfase entre llevar un pozo del concepto a la realidad. Il y a beau avoir ou identifier des beaux prospects sur des papiers, sur des plans, sur des coupes biologiques, à la fin du compte, c'est le foreur qui y va. I'm responsible for everybody on rig, for safety, and for the performance of the operation. À l'appareil de forage, c'est une centaine de personnes à bord. Une erreur dont mon équipe, moi-même, serait responsable, ça peut terminer par 100 personnes sur le carreau. La perforación es un trabajo riesgoso. Parte de nuestro trabajo es analizar los riesgos, buscar medidas de mitigación para ellos y mantenerlos bajo control. To manage all the risk, first of all, we have some bases. Company rule. The Total company rules have been built over many, many generations of hard-working people who have identified the problems. And the rules are very good and useful to do our work every day. If there is any risk, we stick on a company rule, we go ahead, we try to reduce and minimize this risk until this risk comes from the highest points and then down to the acceptable level. If the risks are not down for the acceptable level, we do not take care of this operation. We must stand down. Des contracteurs, par exemple, ou des services compagnies peuvent avoir des différends avec nos règles. Donc c'est à nous de leur faire comprendre que c'est nos règles et pas les leurs. Ce qui a changé après Elgin et Ibewa, c'est qu'on a mis encore plus l'accent sur la compétence des gens, sur la nécessité de respecter nos règles et notre référentiel. Ces deux événements ont mis en exergue le fait que malgré un référentiel de qualité, si les gens ne respectent pas les règles, on peut arriver à une crise majeure. I believe that we still can try to go deeper than what we are drilling nowadays. Whatever the challenge comes, the drillers are ready to face it. Le métier aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître en 78. La technologie a évolué, le deep water, surtout pour Total, a explosé en termes d'activité. On était à 1500 mètres, maintenant on est à 2000 mètres. On commence à regarder 3000 mètres de tranche d'eau. Tous les objets aujourd'hui sur lesquels on travaille sont des objets qu'on appelle de high spec, hein, c'est-à-dire que même sur les champs matures, aujourd'hui on travaille sur des longs déports, on travaille sur donc de l'HPHT, c'est-à-dire haute pression, haute température. Et je crois que Total a su démontrer son leadership à ce niveau-là. On ne peut pas développer dans toutes les filiales toutes les compétences. Les laboratoires, c'est une activité assez spécifique qui demande beaucoup d'expertise. Comparé à d'autres opérateurs, on est plutôt bon dans cette expertise. Moi, je suis encore un jeune dans le métier, j'ai tout à apprendre. Ces mecs-là, ils ont la technique, on leur explique le problème. En général,
ils captent directement. Donc rentrer chez Total, clairement, c'est avoir 100% de chance d'être exposé à la high-tech du forage. C'est un rig très très difficile au niveau environnemental. On a eu un hiver avec des creux de 15 mètres. On a déconnecté le LMRP plus de 8 fois. There is a difficulty in the drilling for sure. And by sometimes you ask yourself, why am I here? But if you do like what you're doing, still it motivated you to do. It's not a boring job. Otherwise, we should not be here. Bueno, soy segunda generación de perforadores en mi familia. Mi padre casi sin querer me metió en esto y fue una de las pasiones que desarrollé en mi vida. Someday I can bring my daughters, perhaps, and show her what the mom's doing over here. I'll try to persuade her, come on, be a driller. It's fun, it's tough work, but in the same time, you obtain a lot. Le forage est un métier difficile où souvent on souffre, mais dont on a du mal à se passer. En soi, c'est un peu une drogue dure. No sé si es como una droga, pero sí es una satisfacción al final, porque uno se dice, bueno, hicimos algo, lo hicimos bien, y ahí está el resultado. Y para la empresa, pues, pienso que es importante, ¿no? When you have an exciting discovery, the office, through everyone from the cook through to the managing director, all are excited and interested to find it. And it's a good buzz in the office when that happens. Quand on voit la jolie flamme au bout de la torche, d'avoir fait une découverte, là, c'est extrêmement satisfaisant. It's exciting. It is exciting. So it's a challenge. It's day after day a challenge. Always a challenge. We work 6 months per year on the rig. Actually, the rig is my second family. There is no way to not consider these people as your family. It's impossible. They are my family. They are my brothers, they are my sisters. Uno tiene que pasar tiempo en el campo y uno está con esas personas todo el tiempo. Uno vive con la gente, come con ellos, comparte. We all help each other, we cover for each other, we support each other when we need help. Et c'est cette solidarité qui fait qu'on arrive à relever ces défis. We can give